partira diriger l'équipe nationale de Suisse avant la Coupe du Monde de cet été. Attention à cette perte de balle. Ben Yaya pour la première tentative. À peine une minute de jeu et la première frappe lyonnaise. Joueuse de l'OL qui presse haut, qui récupère le ballon. Melvin Mallard. Ben Yaya qui remise sur Horan. Ça n'est pas cadré. Et la frappe de l'américaine. Le 1 contre 1. Elle a choisi de rentrer intérieur, de servir Damaris. Damaris frappe du gauche, c'était cadré. Avec Damaris, et on écarte côté gauche. Bacha, Mallard. Oh, la belle passe vers Horan, Ite Horan. C'est contré, le retour défensif. Tacler ce ballon. Corner à suivre de l'autre côté, cette fois-ci toujours le pied gauche de Selma Bacha. Et ballon capté par Friedli. Attentive. Et bien fait ça, ce ballon vers Melvin Mallard. Le centre deuxième poteau. Ça parvient jusqu'à Oren et ça passe entre les jambes de Friedli. 14e minute de jeu. L'ouverture du score lyonnaise, 1-0. Minute à l'aller, 14e ce soir. On voit ce centre de Melvin Mallard qui passe au-dessus de tout le monde. Et deuxième poteau, elle avait bien senti le coup. Lindsay Horan qui vient ouvrir le score. Ballon qui passe entre les jambes de la défenseur et de la gardienne. Malheureuses les Suissesses. Mallard, l'appui sur Brun. Melvin Mallard qui va toute seule. La frappe pied gauche. C'est capté, dévié par Friedli. Et derrière la position de hors-jeu pour Lindsay Horan qui a cru un instant. Elle est bien hors-jeu au départ de l'action. L'américaine. Pubel, dos au but. Allez, le centre sur Bernauer, le petit crochet, la frappe repoussée par Endler, c'était cadré et dangereux. Et d'autres, on va revoir tout d'abord l'occasion de Bernauer avec cette belle frappe bien repoussée par Endler, vigilante. Bel arrêt de la part de la gardienne chilienne de l'OL. Horan. Un petit peu d'espace pour servir Cascarino. Le centre, Mallard de la tête. Et le ballon touché, dévié. C'est parti pour Bacha. La tête de Vanessa Gilles. Cascarino, c'est bien fait. Allez, Delphine Cascarino. Il y a Melvin Mallard dans l'axe, ça passe devant tout le monde, Ben Yaya, pied gauche, ballon renvoyé, ça revient sur Brun, qui n'a pas réussi à enchaîner techniquement. Et un bon centre, avec la tête de Lindsay Horan, capté par Friedli. N'hésite pas à se projeter l'américaine. Tout à l'heure sur l'ouverture du score. Cascarino, Horan. On trouve Delphine Cascarino. Le 1-2. Allez, la frappe du gauche, faut la tenter. Oh, ça passe au-dessus. Quelle belle frappe de la part de Delphine Cascarino. L'appui sur Ben Yaya. Et derrière, ça frôle la barre transversale. Allez, Cascarino, elle est passée. Elle est passée, Delphine Cascarino, elle est toute seule, le face à face.
C'est contré. Ben Yaya qui ne peut frapper. Et il y aura même un coup franc de Zerina Friedli. Dans ce face-à-face, elle a pris le temps, Delphine Cascarino, d'avant. Le pied gauche toujours de Selma Bacha, ce sera rentrant. Tendu deuxième poteau, la remise de Horan dans les gants de Friedli. Malard, Bacha, le bon centre. Personne n'a pu reprendre, ça revient sur Kayman. Frappe pied gauche dans les gants de Friedli. La couverture de Wendy Renard. Oh, et l'erreur peut-être d'Endler qui a failli coûter cher aux Lyonnaises. Ça n'est pas terminé, Reason. Alors que Bacha s'est fait mal là-dessus. La frappe de Megros qui passe au-dessus. C'était chaud, très chaud. Allez, elle a vu l'espace, elle l'a pris. Elle peut servir Horan sur le côté gauche. Elle se balade beaucoup, l'américaine. On la voit à droite, à gauche, dans l'axe. Le centre vers Melvin Ballard qui prend le dessus sur Friedli. Et qui double la mise, 2-0. Le but du break, enfin. On l'attendait. Le voici. Le soulagement pour l'OL. Allez, on revoit au départ la belle percée de Selma Bacha qui vient centrer ce ballon sur la tête de sa coéquipière. C'est déjà de la tête hein, qu'elle avait ouvert. Marojane, oh le bon ballon. Le bon ballon vers le sommaire. Magnifique, Eugénie Le Sommer qui accélère, qui rentre dans la surface de réparation, le centre vers Melvin Mallard. Ça passe à côté. Elle demandait un corner, l'attaquante lyonnaise. Son pied magique, sa vista nous avait manqué. Une joueuse exceptionnelle. Et derrière, la possibilité pour Cascarino. Contrée. Nouvelle chance, le crochet, le centre, la tête de Melvin Mallard et le doublé. Et 2-3 pour l'OL. Les Lyonnaises efficaces. Zurich. C'était le score lors du match aller, c'est le score à 10 minutes de la fin du match. Le beau travail de Cascarino avec ce crochet qui prend Pando à défaut. Et derrière le jeu de tête toujours de Melvin Mallard. Efficace. Elle a dû quitter le terrain. Évidemment. À l'OL, il y a de cela quelques années désormais avec Duisbourg. Saison 2008-2009. Oh, Cascarino, la belle frappe pour conclure en beauté cette soirée. À l'entrée de la surface de réparation, elle n'a pas hésité à prendre sa chance. Et ça fait 4-0. Juste au-dessus, cette fois-ci, elle accroche le cadre. Et malgré l'intervention de Friedli, ce ballon qui finit au fond des filets. Jolie frappe, joli but.